Encore bonsoir à chacun d'entre vous. Je vais commencer à parler sur le principe divin du succès. Alors, la première chose que vous devez comprendre à propos de l'archéologie spirituelle, ce concept m'est venu par le fait que la douleur et la peine de plusieurs personnes a monté non seulement dans leur vie spirituelle, mais aussi dans leur vie sociale, dans leur vie familiale, dans leur vie maritale ou autre. C'est le déficit que les gens ont quant à la recherche des sentiers de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui nous ont devancés dans le chemin. Ma Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que vous êtes en train de faire, ce dans quoi vous êtes en train d'engager, la marche dans laquelle vous êtes en train de vous lancer, soit-elle une marche professionnelle, soit-elle une marche dans le ministère, soit-elle une marche dans la famille, peu importe le carnaval dans lequel vous vous lancez, d'autres hommes ont commencé et ont vécu dans le même carnaval avant vous. Ça veut dire que si c'est dans le mariage, d'autres personnes ont vécu le mariage avant vous. Si c'est dans les affaires, d'autres personnes ont vécu dans le monde des affaires et ont réussi dans ce monde avant vous. Si c'est dans le ministère, d'autres personnes ont vécu dans le ministère et ont réussi dans le ministère avant vous. Voici pourquoi l'intelligence de la science a fait en sorte que lorsque les hommes ont accumulé des capacités techniques, ils ont commencé à aller de lieu en lieu, à la quête des civilisations anciennes, à la quête de peuples anciens, pour comprendre leur système de vie. Parce que nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas les premiers à avoir vécu sur la terre. Il y a des peuples qui ont vécu sur la terre. Il y a des peuples qui ont vécu avant nous et qui ont disparu. Il y a des peuples qui étaient sur la terre et qui ont été éradiqués pour une raison ou pour une autre. Si nous pouvons comprendre comment ils ont vécu, si nous pouvons comprendre les sentiers qu'ils ont exploités, nous allons pouvoir capitaliser sur la sagesse qu'ils avaient acquis et nous grandir à partir de la sagesse de nos prédécesseurs. Voici pourquoi le monde a réussi à avancer en plusieurs domaines, et tous ceux qui ont compris par le minimum de la sagesse que si je dois grandir, si je dois monter, je dois chercher à comprendre le sentier des anciens, toutes ces personnes ont connu un impact fulgurant. L'ignorant majeur et notoire, c'est celui qui se lance dans un domaine sans chercher à étudier le sentier des anciens. Là où je suis en train de vivre, le genre de choses qui se passent dans ma vie, est-ce que des gens ont existé avant moi, qui ont marché dans le même sentier, qui ont parfois connu les mêmes défis que moi, qui ont parfois rencontré les mêmes difficultés que moi, comment ils y sont arrivés? Et ce constat ou bien ce principe s'applique dans la marche avec Dieu. Ça veut dire quoi? Je veux servir le Seigneur. Est-ce que des gens ont servi Dieu avant moi? J'ai donné ma vie à Christ. Ils sont en train de marcher avec Dieu. Est-ce que des gens m'ont précédé dans ce chemin? La sagesse pour monter, c'est de comprendre, découvrir et comprendre le sentier des anciens, s'inspirer de leur sagesse, l'appliquer à notre vie pour monter. Voici pourquoi, lorsque en général dans la Bible, on fait référence au peuple d'Israël, ou que le peuple d'Israël fait référence à leur Dieu, il l'identifie comme le Dieu d'Abraham, comme le Dieu d'Isaac, comme le Dieu de Jacob. Mais notre Dieu est connu pour être le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Est-ce que ça veut dire donc que quand ils font référence au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, en prenant compte que ses patriarches sont morts, ne sont plus de ce monde, mais on dit que Dieu est leur Dieu et on ne dit pas que c'est le Dieu de ceux qui sont vivants. À quoi est-ce qu'on est en train de faire référence? On est en train de faire référence à la manière dont Dieu s'est révélé à Abraham, à la manière dont Abraham a marché avec Dieu et le sentier qu'il a créé, à la manière dont Isaac a marché avec Dieu, donc Jacob a marché avec Dieu, et tous ses anciens et ses patriarches ont marché avec Dieu et ont créé un carnaval pour que nous puissions suivre. Voici pourquoi Israël dit c'est le Dieu d'Abraham. Qui est en train de dire le Dieu d'Abraham? Ils sont en train de faire référence à l'alliance que Dieu a établie. Et le carnaval de cette alliance, c'est dans lequel eux ils marchent pour vivre leur exploit, pour vivre leur bénédiction. La plupart des gens aujourd'hui, pour continuer de parler d'Israël, cette nation, la plupart des gens de cette nation ne croient pas en Christ, ne croient pas en Jésus. Mais ils croient à une chose, ils croient au sentier que leur ancêtre a bâti avec Dieu. Et le sentier que leur ancêtre a bâti avec Dieu, le Dieu d'Abraham est en train de les bénir. Pourquoi? Parce qu'ils ont capitalisé sur le sentier de leurs prédécesseurs. L'ignorant est celui qui veut bâtir, mais qui ne veut pas prendre en compte les réalités du sol, les réalités de ceux qui ont vécu dans ce sol, dans ce territoire avant nous. Quel que soit là où tu pars, quelqu'un est déjà arrivé là-bas. La grandeur à laquelle tu aspires, quelqu'un est déjà arrivé.
la sortie de la bataille, la sortie de l'épreuve à laquelle tu aspires. Quelqu'un a déjà vécu cela. Il a vécu l'épreuve et il en est sorti. Alors, ceci étant dit, nous devons parvenir à la compréhension de la nécessité d'étudier la marche des hommes qui ont fait un impact notoire avec Dieu. D'étudier la marche des hommes qui ont connu un succès avec Dieu, puisque c'est le domaine et la circonscription dans laquelle nous trouvons. D'aller dans les Saintes Écritures, d'aller dans notre monde contemporain et de réfléchir, puisque nous parlons de succès, dans le cadre d'archéologie spirituelle, quelles sont les choses qui ont fait que les gens qui marchent avec Dieu, le Dieu avec qui je marche, ceux qui ont marché avec lui et qui ont connu un succès majeur, un succès dans les finances, un succès dans les affaires, un succès dans le mariage, un succès dans le ministère, ces gens qui ont fait un impact glorieux, comment ils y sont arrivés? Il est assez important pour vous de comprendre, ce n'est pas suffisant d'admirer la gloire dans la vie d'un homme, de dire oh Dieu de tel homme, Dieu de tel grand serviteur, j'appelle ce Dieu. Écoutez-moi, ce n'est pas suffisant d'admirer, l'admiration n'est pas ce qui suffit pour pouvoir monter dans la vie et dans la destinée. Non, désirer le don qui est dans la vie de quelqu'un, désirer l'onction qui est dans la vie de quelqu'un, désirer le succès d'Abraham. Certains, je vois souvent, c'est même devenu des slogans ou bien des bénédictions caricaturées qu'on se prononce ici, que Dieu te donne la richesse de Salomon et toutes ces choses. Mais avant d'envier la richesse de Salomon, commence à comprendre les pas, commence à comprendre les sentiers de la vie de cet homme, avant de commencer à prier pour dire, oh Dieu, l'ombre de Pierre guérissait les malades quand il passait. Alors comment aussi je passe, que mon homme guérisse les malades? Chacun a une ombre. La différence, c'est que l'ombre de chacun, de tout le monde, ne produit pas les résultats que l'ombre de cet homme a produit. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui soutient les résultats que tu vois. Derrière chaque résultat que tu vois, il y a un sentier. Derrière chaque résultat que tu vois, il y a une manière de vivre et de marcher. Derrière chaque résultat que tu vois, il y a une discipline de la vie d'un homme qui a justifié et qui a engendré les résultats que tu vois. Si donc tu admires, si donc tu souhaites, si donc tu désires le résultat, tu dois commencer à être méthodique pour étudier les sentiers et les principes qui ont produit le résultat admirable que tu convois. J'aimerais dire à quelqu'un, et cette parole est aussi valable pour toi, elle est aussi valable pour moi, pour le reste de cette année et pour l'année 2022 qui arrive, ta vie va avoir des résultats exceptionnels. Je te dis la vérité, je n'ai pas mis cette plateforme pour te tromper. Ta vie va générer des résultats exceptionnels. Dieu va te donner de vivre des choses magnifiques. Les résultats, c'est quoi? C'est les genres de choses qui arrivent dans la vie d'un homme. C'est les genres de choses qui se produisent et qui permettent de pouvoir, quand les gens admirent, les gens regardent, les gens jugent ta vie à ton résultat. En d'autres termes, la valeur d'un homme est proportionnelle au résultat qu'il a. Voici pourquoi quelqu'un peut être plus jeune que toi et tu l'appelles patron, parce qu'il a des résultats qui lui donnent plus de valeur que toi. La valeur de l'évangile de Jésus que nous suivons et que nous prêchons, c'est le résultat que cet évangile produit. C'est parce qu'il y a un résultat dans cet évangile que nous y sommes aujourd'hui, toi et moi, assis en train encore de parler. C'est que Jésus est venu, il n'était pas le seul à être venu pour proposer une démarche spirituelle nouvelle. Il n'était pas le seul, et le premier avait apparu en Israël pour pouvoir apporter une nouvelle proposition en matière de message ou autre. Mais le cas est particulier de Jésus est très différent à cause du type de résultat qu'il générait. Il n'était pas le premier à être apparu pour faire des miracles. Beaucoup sont arrivés, ils ont fait des miracles parce que des gens sont apparus avec divers niveaux spirituels et divers niveaux d'influence. Mais la particularité de Jésus, c'est le type de résultat que ça crée dans le territoire, le type de résultat que ça crée dans le cœur, le type de résultat que ça crée dans l'économie de la nation. Et comment est-ce que ces résultats étaient constants et permanents? Le résultat qui est arrivé dans sa vie et ce qui a fait que l'attention sur sa personne était particulière et différente. Vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs religions, il y a plusieurs précurseurs de religions, mais personne n'a le niveau d'impact que Jésus a généré. Pourquoi? Parce que le type de résultat qui émanait de lui était si particulier. Notre différence dans notre vie est établie par les résultats. Écoute-moi, toi et moi on a une vie spirituelle. Comment je juge ta vie spirituelle et ma vie spirituelle? C'est au résultat qui sort. Je ne te vois pas quand tu pries, je ne te vois pas quand tu jeûnes, je ne sais pas comment tu vis, comment tu marches quand tu me dis que tu as une vie spirituelle. Mais ce à quoi je peux me référer pour calibrer, pour étudier, pour évaluer ta vie spirituelle, c'est les résultats qui sont générés
générés, les résultats qui sont générés dans ta maison me permettent de voir le niveau de ta vie spirituelle. Les résultats qui sont générés là où tu travailles me permettent de savoir dans ton cadre de vie, dans ta famille, dans l'église, dans le ministère, le type de résultats que tu génères me permet d'évaluer le niveau de ta vie spirituelle. Dieu est un Dieu de résultats. La Bible dit en Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite la terre était informe et vide et les ténèbres la remplissaient et l'esprit se mouvait au-dessus de la Bible. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand vous lisez tout Genèse, ce n'est que la succession des résultats qui étaient générés par la parole de Dieu. Toute Genèse était la succession des résultats générés par la parole de Dieu. Dieu est un Dieu de résultats. Le monde sera sauvé par les résultats, pas uniquement le message. Si le message de l'évangile n'a pas de résultat, et ça devient juste un élément folklorique que les gens écoutent et puis on dit c'est bien, c'est de la sagesse, c'est bien, vous avez de bonnes mœurs, mais ça ne changera pas la vie des gens. Ce qui emmène les gens à courir après Dieu, c'est les résultats. Quand les gens courent et tu dis les gens courent là-bas parce que c'est un sorcier, ce n'est pas parce que c'est un sorcier, c'est parce qu'il a un résultat. Sinon, s'il est un sorcier sans résultat, personne ne va aller le chercher. Le monde cherche du résultat. Ta famille cherche du résultat. La femme d'un homme cherche le résultat dans la vie de son mari. Les enfants auprès de leurs parents cherchent des résultats dans la vie de leurs parents. Parce que c'est le résultat de la vie. Quand ton enfant vient te dire, papa, donne-moi un gâteau. Le gâteau, c'est un résultat qu'il espère de toi. Alléluia. Lorsqu'il ne peut pas avoir le résultat, au bout d'un moment, l'enfant va arrêter de te demander. Parce qu'il va remarquer qu'une fois, il t'a demandé. Tu as dit que tu ne peux pas. Deux fois, trois fois, quatre fois. Il ne demandera plus. Pourquoi? Parce que l'espoir du résultat en toi a disparu. Il se veut de parler à quelqu'un. Cette saison est une saison où le monde attend de voir le résultat de notre évangile. Lorsque nous disons Jésus, les gens disent Jésus, on connaît. On a entendu son histoire. C'est toi ton histoire, on ne connaît pas. Quelle est toi ton histoire avec Jésus que tu peux nous proposer? Voici pourquoi il a dit, vous serez mes témoins. On connaît Jésus, son histoire on connaît. C'est toi qui es en train de parler. On ne connaît pas ton histoire. Quel est ton résultat avec ce Jésus que nous ne pouvons suivre? L'escobérine d'achat. Quel est ton résultat avec cette affaire de Dieu? Parce que je veux aujourd'hui défier le cœur de quelqu'un pour le résultat. Le résultat de ta propre marche avec Dieu. Le résultat de ta consécration sur ta propre vie. Le résultat de ta recherche de Dieu sur ta propre mentalité. Sur les réalités de ta propre vie. Si l'évangile ne peut pas avoir de résultat sur ta propre vie, écoute-moi, il me sera difficile de croire qu'il peut produire du résultat sur ton monde. Des hommes ont eu des résultats exceptionnels et tu seras noté au nombre de ces hommes au nom de Jésus. Des personnes ont expérimenté des résultats glorieux. Écoute-moi, quel que soit le niveau de médiocrité, quel que soit le niveau de stagnation, quel que soit le niveau d'insatisfaction dans lequel tu te trouves aujourd'hui, je suis venu te parler parce que Dieu te qualifie et pour toi d'entendre le message que je suis en train de parler, c'est la plateforme que Dieu crée pour habiliter ta vie et pour activer ta vie dans la dimension du résultat. Je t'attire dans cette dimension au nom de Jésus. Dans la ville où tu es, les gens vont voir ton résultat. Dans la nation où tu es, les gens vont voir ton résultat. Dans le monde dans lequel tu évolues, les gens vont vivre ton résultat. Là où ton pied n'est pas arrivé, ton résultat va envoyer ton nom. Là où tu n'es jamais rentré, ton résultat va envoyer ton nom. Les résultats précèdent un homme. On peut n'avoir jamais rencontré un homme, mais on le respecte à cause des résultats qu'on a vu de lui. On le respecte à cause des résultats qu'on a entendu de lui. Ma fille, mon fils, je prie pour toi. Alors que tu es sous le son de ma voix, une nouvelle dimension des résultats arrive dans ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi, ne cherche pas à avoir le même respect que quelqu'un avec qui tu n'as pas eu le même niveau de résultat. Ne cherche pas à avoir le même niveau d'admiration avec quelqu'un avec qui tu n'as pas eu le même niveau de résultat. Comment il a admiré, comment il a apprécié, te plaît. Alors laisse l'appréciation, cherche le résultat. J'ai le résultat. Quand le résultat a commencé à être saisi, l'admiration devient naturelle. Yes. L'admiration devient naturelle. Le respect devient naturel. Voici pourquoi le diable combat le résultat dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il sait que chrétien, quand ton résultat va apparaître,
ton monde va courir. Ta soeur qui ne veut pas aller à l'église va se lever pour venir à l'église sans que tu ne l'aies invité. Elle va venir te réveiller dimanche matin pour dire, ah, tu ne vas pas à l'église aujourd'hui. Tu vas lui dire, mais depuis quand toi tu me demandes si je ne vais pas à l'église, les résultats que tu es en train de générer me donnent envie d'aller à l'église. Quand je regarde ta vie, le genre de choses qui sont en train de se produire, le genre de choses qui émanent de toi, me donnent envie de me frotter à la chose que tu dis, la source, être la source des résultats que tu es en train de vivre. Voici pourquoi le diable refuse que tu aies du résultat. Tu es brillant, tu ne comprends pas pourquoi tu échoues. Tu es belle, tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas mariée et que tu n'es pas mariable en dépit du fait que les gens autour de toi, parfois même en moins de qualité, sont en train de partir autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes dont leur résultat n'est pas uniquement pour le confort de leur existence. Leur résultat sera suffisant pour donner un témoignage à leur génération. Il y a des gens qui réussissent et puis on dit c'est bien. Il y a des gens qui réussissent et puis on dit Dieu est fort. Je vous avais dit, il y a des gens qui ont eu un examen, puis on dit, oh, c'est pas étonnant, ils travaillaient. Il y a des gens, quand ils ont réussi à l'examen, les gens disent vraiment, le Dieu que tu pries, là, il faut lui dire merci. Pourquoi? Parce que c'était inespéré, c'était inattendu. J'aimerais prophétiser maintenant, des résultats inespérés vont apparaître de toi. Des résultats inattendus vont apparaître de toi. La voiture qu'on n'a jamais pensé te voir dedans, dans les 6 prochains mois, tu vas commencer à circuler. Le genre d'accumulation économique qu'on n'a jamais pu penser venir de toi, tu vas commencer à apparaître dans ton compte en banque. Le type de connexion dans lesquelles on n'a jamais pensé que tu pouvais rentrer. Le Seigneur va commencer à te faire de toi l'ami de grand, l'ami de puissant. Le type de manation de l'onction que tu n'as jamais espéré va commencer à sortir de toi. Les gens à ton contact vont savoir que Dieu est vivant. Les gens à ton contact vont savoir que la gloire de Dieu est réelle. Lorsque tu parleras, les gens seront libérés. Lorsque tu parleras, même les cœurs les plus incrédules, tu as béni mon fils, même les cœurs les plus résistants, même les cœurs les plus arides vont se soumettre à l'authenticité du message de l'évangile dans ta bouche. Le résultat va venir. Mon Dieu est un Dieu de résultats. Je commande l'onction de résultats dans ta vie. Je commande l'onction de résultats dans ta vie. Je commande des résultats palpables, des résultats brillants et exceptionnels, des résultats rares et mystérieux. Des résultats rares et mystérieux. Et qu'il dit, mon Seigneur, donne-moi des résultats. La kaparushi brande rus kapalet. Oh Seigneur, donne-moi des résultats. Je veux une vie productive. Je veux une vie dont les résultats glorifient ton nom. Donne-moi des résultats. On m'avait connu pour mes torts. On m'avait connu pour mes défauts. On m'avait connu pour mes fautes. On m'avait connu pour mes péchés. Que maintenant mon monde me connaisse pour mes résultats. Un jeune serviteur de Dieu, il était d'une famille idolâtre. Le seul, il s'est converti. La famille, il est sorti. Il a commencé à aller à l'église. Au bout de quelques temps, il a grandi dans le Seigneur. Il a été établi pasteur dans son église locale. Et puis, dans sa jeunesse, dans la fonction qu'il avait, il a commencé à courtiser une fille dans l'église avec qui il a commencé à avoir des rapports sexuels. Il a commencé à avoir une vie d'impureté. Et puis, au bout d'un moment donné, il a été profondément saisi par un sentiment de culpabilité. Il a prié pour se repentir. Et il a dit à la fille, s'il te plaît, il faut qu'on arrête. Dans mon esprit, je sens qu'on ne peut pas continuer. C'est vrai qu'on savait que c'était mal, mais aujourd'hui, le poids de cette culpabilité m'a amené à me repentir. Il faut qu'on arrête. La fille s'est sentie offensée. Parce que pour la fille, tu as fini maintenant de voir ce que tu es avec moi. Peut-être que tu cherches ailleurs et tu veux mettre ça maintenant sur l'affaire de Dieu pour me laisser. Alors la fille est allée voir le pasteur principal. Elle dit, pasteur, ton fils pasteur là, voyez ce qu'il a fait de moi. Maintenant il me laisse. Sous le passé, il va aller chercher encore une autre fille. On a attrapé le garde. On l'a mis sous discipline publiquement. On l'a disgracié. On l'a déshabillé de son pouvoir et de son manteau de pastorat. Et on l'a fait asseoir à l'arrière de l'église. Pendant des mois, il devait s'asseoir à l'arrière de l'église. Il ne pouvait rien faire. Et les gens étaient prévenus de ne pas lui parler. Tout le monde a commencé à le détester. Tout le monde a commencé à le rejeter. Il était derrière. Sa propre famille, puisque c'était converti d'une famille de là. Les parents ont acclamé. Ils ont dit, voilà. Toi, tu penses que tu peux abandonner nos dieux et puis aller réussir. Voici ta honte est dehors. Pasteur impudique. Pasteur pécheur. On l'a jeté. Il a pour dormir. C'était une maison inachevée, sans toiture. C'est là-bas qu'il se couchait. Avec juste quelques vêtements dans un petit sachet qu'il attache. Et sa Bible, c'est tout ce qu'il avait. Il était là-bas. Quand il pleut, la pluie tombe sur lui, dans ce trou, dans cette maison. Mais chaque jour, il demande pardon. Dieu dit, je l'ai pardonné. Mais Dieu l'a pardonné. Mais les hommes ne l'ont pas pardonné. Dieu l'a mis la paix du pardon, la paix qu'il a effacé son péché. Mais les hommes ne pardonnent pas. La seule chose qui contraint les hommes à oublier ton tort, c'est ton résultat. Écoute-moi.
Les hommes ne pardonnent pas ton péché. Dieu va te pardonner. L'homme ne va pas te pardonner. Le jour que l'homme te pardonne, c'est que le résultat que tu as manifesté le dépasse. Ils l'ont obligé de composer avec toi sur un autre niveau. À cause des résultats, il va même oublier tout ce que tu as fait. Pour revenir au témoignage de ce jeune serviteur de Dieu, Dieu lui a dit, tu es pardonné. Il a dit, Seigneur, mais mon monde ne me pardonne pas. L'église me rejette. Et je suis là, ça fait des mois. Ça fait près d'un an assis. Mais personne ne me considère. Dieu dit, ne t'en fais pas. Au bout d'un an, le pasteur l'a rappelé pour dire, tu es rétabli. Et la discipline est levée. Maintenant, tu es là. Mais malgré ça, c'était comme si le caca était chez lui. C'était comme si la mauvaise odeur était chez lui. On l'a rétabli, mais personne n'a plus jamais appelé pasteur dans l'église. Personne ne pourrait le considérer encore. Malgré qu'on dit maintenant il est rétabli. Il allait prier. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, ne t'en fais pas. Et là, on m'a dit, Seigneur, ok, si tu m'as pardonné, mais que les hommes doivent me regarder comme ça. Moi, je suis venu te demander une chose. Si tu m'as pardonné, donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Il était dans sa maison inachevée, sans tort. Quand il pleut, c'est sur lui, ça tombe. Ses habits là sont dans les sachets attachés. Il attache, là-bas il enlève. Il va laver, c'est là-bas, il enlève, dans ce sachet. C'était tout ce qu'il avait dans sa vie. Ses parents jubilaient de sa douleur. Sa maman, son papa, les oncles, tout le monde jubilait qu'ils sont en train de souffrir. Mais il était là-bas. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Je vous montre le sentier des hommes qui ont fait de l'impact. Je vous montre le chemin. Tu m'as dit succès divin. Tu m'as dit principe divin pour le succès. Il y a le principe méthodique, il y a le principe marketing, il y a le principe de développement personnel pour le succès. Je suis venu te donner comment est-ce que les hommes ont parvenu au succès avec Jéhovah Jireh. Je suis venu t'expliquer comment les hommes sont partis de rien, sont sortis de la forêt comme des simples bergers et en 2-3 ans ils sont devenus rois dans un pays, rois d'un territoire. Ils n'ont pas fait la guerre pour prendre le trône. Les vieillards du territoire sont venus s'asseoir pour dire, nous on est venu te prendre pour t'établir roi sur nous. Son papa n'était pas roi. Son papa n'était pas cousin du roi. Il n'était pas membre de la chefferie. Il n'était pas membre du conseil du roi. Il n'y avait rien qui le légitimait ou qui le rattachait à la royauté. Mais regardez comment un homme est sorti de rien pour parvenir sur un trône. Et son trône, le monsieur est mort. Jésus-Christ, le sauveur du monde, est arrivé plusieurs centaines d'années après. On appelle Jésus fils de David. Pourquoi on identifie Jésus à David? Pourquoi on n'a jamais dit fils de Salomon? On t'identifiera à toi à cause de ton résultat. Aïe, 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 aïe. Les hommes vont s'identifier à toi à cause de ton résultat. Quand les gens te font pleurer, laisse-les. Cherche Dieu pour le résultat. Quand le monde ne croit pas en toi, laisse-les. Cherche Dieu pour le résultat. Le jeune homme a prié, prié. Il a passé des mois dans cette prière. Et un jour, son église a organisé, et même avec un collectif de pasteurs, une grande croisade avec un grand pasteur connu pour les miraculeux. La foule est sortie, le terrain était rempli. Or, au moment de la croisade, l'homme de Dieu dit qu'il ne peut pas venir. Personne aussi n'osait monter parce que un moment où un grand bishop doit monter, il doit faire le miracle. Ce n'est pas une question de prêcher, on dit croisade de miracle. On n'a pas de croisade de prédication. Ils ont prêché, nous avons prêché. Mais nous, tout le monde est venu pour le miracle. Personne ici ne peut faire le miracle. Donc pour le oni, on allait appeler le jeune pasteur, pasteur pêcheur. On l'a appelé, on dit, bon, viens. Ils n'ont pas appelé pour lui donner sa chance. C'était quand il y a la honte. Ça mieux que ça tombe sur le petit. Quand il est monté sur le pupitre, la foule du terrain a disparu en moins de 2 minutes. Parce que les gens ont dit, c'est ce pêcheur-là que vous nous mettez. C'est ce gars-là que vous nous mettez. La foule était partie. Le jeune homme a commencé à pleurer. Ah, Jésus. Les gens me voient monter, ils partent. Les gens vont monter, ils sortent. Le terrain massif, les gens sortaient, partaient, partaient, partaient. La foule compacte a commencé à devenir seulement quelques personnes. Il pleurait, il pleurait. Pendant qu'il pleurait, il a commencé dans ses larmes à lever une chanson. Même son interprète est descendu. L'homme ne te pardonnera pas. Mais le résultat que tu génères en Dieu, les hommes changeront d'avis en ton égard. Ma Bible dit, Paul l'apôtre, Paul le prédicateur, Paul le passionné de Jésus, Paul le révélateur et le dispensateur des mystères du royaume, sur un bateau, étant emmené à Rome pour être jugé. Mais pendant qu'il est prisonnier dans le bateau, il appelle, il dit, je parle au capitaine. Les gens disent, tu es un prisonnier, tu n'as pas accès au capitaine dans ce bateau. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, Dieu m'a dit, ce bateau va faire un naufrage.
Les gens disent espèce de criminel, tu fermes ta bouche ici. Tu es un voyou. Tu es condamné à mort. On est en train de t'emmener pour te tuer. Tu n'as pas le droit à parler. Il dit, c'est comme vous voulez. Mais Dieu m'a montré que le bateau va sombrer. La seule raison qui va vous empêcher de mourir, c'est ma présence à bord. Comme c'était une question de mort, le bruit est arrivé chez le boss. Le capitaine est venu, tu dis quoi? Il dit, capitaine, le bateau va faire un naufrage. On va tous échouer en mer. Le bateau va pas atteindre la destination. Mais aucun d'entre vous ne mourra à cause de moi. Les gens rient de lui. Il n'y avait pas de tempête. Le climat et la météo étaient dégagés. Personne ne pouvait prévoir la tempête qui arrivait. La tempête est venue. Le bateau est secoué. Tous les marins pleuraient. Tous les policiers pleuraient. Les gardes qui sécurisaient Paul dans la prison pleuraient. Parce que la mort était certaine. Le prisonnier, l'homme mauvais, l'homme qu'on ne croyait pas, il s'est levé. Il dit, les gars, ne pleurez pas. Les gens l'ont écouté. Résultat. Parce que quand sa prophétie est devenue un résultat, ils ont commencé à l'écouter. Il dit, non, 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 prenez tout ce qu'on peut jeter à l'eau. Jetez simplement et restez tranquille. Le bateau, oui, on va le perdre, mais aucune vie ne sera perdue. Mon Paul, je vous le dis, regardez, tous les gardes du corps, tous les policiers, tous les gardes de la prison qui étaient dans le bateau, sont tous devenus le fils spirituel de Paul. Résultat. Écoute, je suis venu parler à un homme qui m'entend. Ce n'est pas fini pour toi, Yalouz Kappa. Papa, ici c'est l'Europe. C'est difficile, ferme ta bouche. Écoute, écoute l'esprit te parler par ma bouche. Rien n'est perdu pour toi. Papa, je veux marier cette femme. Mais sa famille est riche. Moi, je n'ai rien. Mais tu parles de quelle famille? N'es-tu pas le fils du roi des rois? N'es-tu pas le fils de celui qui appartient l'or et l'argent? Laisse-moi t'enseigner le système des hommes qui ont fait le succès avec Dieu sur la terre. Et après aujourd'hui, les trois mois, si tu fais ce qu'il veut t'enseigner, avant 31 décembre, ton argent ne sera plus le même. Ta personne ne sera plus le même. Ta renommée ne sera plus le même. Tes résultats deviendront fulgurants et exceptionnels. Et quand tu as moi, résultat. I want results. Je veux les résultats. Mes ennemis sont nombreux. Donne-moi les résultats. Les hommes qui ne croient pas en moi sont nombreux. Donne-moi les résultats. Les gens qui ont dit je ne serai rien sont nombreux. Papa, donne-moi les résultats. Donne-moi les résultats. Jésus-Christ de Nazareth, on l'a pris. Vous savez, on l'a fouetté. Et puis tu demandes, alors. Tu fais le malin ici. On te fouette et puis il n'y a rien. Ton père, il est où? Il n'a pas parlé. On l'a emmené jusqu'à sur la croix. On l'a même percé le côté. Le monsieur n'a jamais dit un mot. Et puis les gens sont venus et dit voilà. Il avait dit, ils l'ont même nargué en écrivant ça au sommet de sa croix. Celui-ci est le roi des juifs. Et j'ai écrit ça en trois langues différentes. J'ai écrit ça en araméen. J'ai écrit ça en juif. J'ai écrit ça en romain. Ils ont mis ça pour le narguer. Jésus n'a pas réagi. Il ne s'est pas défendu. Même le prisonnier qui était à côté de lui a dit, mais mon ami, si tu es Dieu et que tu es ce que tu prétends que tu es, alors sauve-toi et sauve-moi. Jésus n'a pas répondu. Mais à un moment donné, le ciel est devenu noir. Alors qu'il était midi, tout le ciel était devenu noir. Le vent a commencé à souffler. L'éclair, le tonnerre, boum, dans le ciel. Les tombeaux ont commencé à s'ouvrir. Dans le temple, le voile s'est déchiré du haut jusque vers le bas. Et tout le monde regardait et terrorisé. Et un des soldats qui l'a insulté, un des soldats qui a dit, mais si tu es Dieu, montre-nous. Ce gars a regardé ce qui s'est passé. On l'a appelé le centenier. La Bible ne nous a pas dit son nom. Mais quand il a regardé les événements, il a dit, assurément, celui-ci était le fils de Dieu. Je lève ma main vers le Seigneur en ma qualité de prophète de l'Éternel. Ton monde va voir les événements qui vont arriver et ils diront celui-ci est vraiment le fils de Dieu. Ta génération va voir ce que tu as fait de toi et ils diront assurément celui-ci est un prophète de Dieu. Les gens qui n'ont pas cru, ils le feront. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne jette pas l'éponge, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Ils te regarderont. Tes poches sont vides. Ils te regarderont. La situation est bizarre. Mais bientôt arrive l'heure où le résultat changera leur appréciation à ton égard. Les gens qui ont raconté ta douleur
vont devenir les spécialistes pour raconter ton témoignage. Les gens du quartier vont dire c'était notre petit au quartier. Les amis que tu n'as jamais connus vont apparaître pour dire celui-là c'est notre ami, celui-là c'est notre camarade. Ne discute pas avec les hommes. Cherche le résultat en Jésus. Cherche le résultat en Jésus. Quand tu viendras avec le résultat, tes larmes vont couler. Tu vois les hommes qui ont pronostiqué ta honte et ta misère. Dis, on avait toujours cru en toi. Aliadaska. Apiando skipalinta. Eperuska linta. Rigeton talum de lishka parata. Résultat. Aïe 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 aïe. Sainte Niesan. Sainte Niesan. Teigné. Raconte ce que tu as. Sainte Niesa, Teigné, raconte. Les gens raconteront ton histoire. Est-ce que le propriétaire de cette parole est connecté à mon message? On a dit, il est bizarre, il s'est embauti, c'est un vaurien, c'est un déloyal, c'est un pécheur. Les gens, ils raconteront ton témoignage. Je me souviens d'un homme favorisé de l'Éternel, un homme que Dieu avait béni. Ma Bible dit de lui qu'il était l'homme le plus béni de tous les fils de l'Orient. Sa vie était formidable. Mais un jour arriva où un élément, un esprit, une entité spirituel et apparu dans le conseil de Dieu. Ma Bible dit de lui qu'on l'appelle l'accusateur de frères. La Bible dit de lui, on l'appelle le démon ancien. On l'appelle le serpent. Il est venu et il a dit, cet homme te loue parce que tu l'as béni. Cet homme te sert parce que tu lui as tout donné. Retire-lui tout. Retire-lui tout et tu verras qu'il te maudira. Alors Dieu lui a dit, vas-y, prends tout. Satan est descendu. Il n'a pas eu pitié. Il a tué les 7, les 8 enfants de Job. Il a détruit son troupeau. Il n'a pas fait ça en une semaine. Il n'a pas fait ça en un mois pour laisser le monsieur récupérer. En 24 heures, il a pris un géant et il l'a ramené à la poussière. Son épouse le lendemain a dit, monsieur Job, ton histoire est compliquée. Mais Job continue de célébrer Dieu. Satan a dit, tu as tout pris, mais touche à son corps. Tu verras. Dieu dit, va, ne touche pas à sa vie. Mais mis à part cela, fais tout ce que tu veux. La lèpre est apparue. Ma vie dit, le monsieur souffrait tellement qu'il prenait le tesson de bouteille et il s'est gratté le corps. Mon ami, ta souffrance d'aujourd'hui sera proportionnelle à ta gloire de demain. Car nous savons, la souffrance du temps présent ne saura en rien égaler le temps de gloire à venir. Gratte ta lèpre, mais célèbre l'Éternel. Gratte ta lèpre, mais glorifie Jésus. Gratte ta lèpre, mais ne lève pas tes regards de lui. Je t'avais prévenu que ta vie ne restera plus la même. Je t'avais prévenu que sur cette plateforme, après ce soir, ta vie va entrer dans les résultats. Ta vie va donner le résultat. Ta vie va générer des résultats. Tu ne vas pas contempler la gloire des autres. Tu seras une gloire contemplée par les autres. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, oh, oh. Et la tempête dans le bois de résister. Paul a atterri sur l'île de Malte. Et sur cette île, les indigènes, pendant que je te parle, mes larmes me montent dans mon âme. Mais dis, écoute-moi. Il me dit, écoute-moi. Il me dit, écoute-moi. Le ciel et la terre s'accorderont pour témoigner que l'Éternel t'a béni. L'impossible existe dans ton vocabulaire et dans ton dictionnaire. Mais il n'existe pas dans le système d'opération de Dieu. Je parle de dimension extrême de résultats. Je parle de dimension de résultats qui va arriver dans ta vie. Que même les chrétiens vont dire que c'est Satan. Je parle d'une dimension de résultats qui va arriver. Que même les gens vont dire, est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Je parle d'un homme qui m'écoute et qui va lever les paralytiques.
qui va lever le paralytique de la chaise. Quand les gens sont en train de faire les débats pour poser les questions, c'est qui là où? Toi, tu vas seulement venir dire au gars qui assis dans la chaise, s'il te plaît, monsieur, lève-toi, ma partie. Quand il va se lever, les gens vont se... Je suis en train de dire, les gens verront Dieu en toi. Les gens verront Dieu en toi. Les résultats que les gens ne prêtent qu'à Dieu, ils le verront en toi. Dans les affaires, tu es en train de réfléchir à 100 000, à 500 000, à 1 million. Mais je parle d'un homme qui est assis devant moi, qui va s'asseoir et qui va gérer un portefeuille de 100 millions de francs CFA, de 100 milliards, de 200 milliards. Et qui va s'asseoir avec un portefeuille. Et quand on va globaliser ses propriétés et ses acquis et ses actifs, on sera en train de chiffrer en milliards de dollars. Et tu es en train de me dire, en Burkina Faso ici, est-ce qu'on peut faire ça? Ma question pour te répondre, c'est de savoir, est-ce que Dieu agit au Burkina? Si la réponse est oui, alors dans ce pays ou dans la terre où tu te trouves, en dépit des facteurs de difficultés socio-économiques, ce résultat, tu le vivras. Quelqu'un dit un mot, résultat. Il est le Dieu du résultat. À moins qu'on ne parle pas du même Jésus, il est le Dieu du résultat. Reste en paix dans ton âme. Quand quelqu'un est en train de monter sur son nuage et de planer au-dessus du monde, reste en paix. Ne te tue pas parce que quelqu'un monte, parce que quelqu'un perce. Reste en paix en dedans de toi. Je vais te montrer les secrets des hommes qui ont produit des résultats. Quand ce pasteur, pour revenir à mon histoire, le pasteur Bessel a commencé à chanter en pleurant. Même son inter... quand il est monté, l'interprète est descendu. Il a commencé à chanter en pleurant. Il n'y avait aucun instrumentiste pour l'accompagner. Il y avait son micro qui parlait. Pendant qu'il chantait, quelqu'un a commencé à crier là-bas. Les gens ont commencé à voir quoi? Il dit, je marche. Les gens ont commencé à courir, aller vers lui. Une autre femme a commencé à crier de l'autre côté. Je vois. Tous les gens qui ont quitté le terrain ont commencé à s'appeler pour revenir. Les pasteurs qui étaient assis ont dit, Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Le petit qu'on a méprisé, le petit qu'on a banalisé, on a détruit à cause de son péché. Est-ce que c'est l'enfant là qui a donné ce pouvoir? La foule est sortie. Le jeune n'a pas prié pour quelqu'un. Il continuait de chanter. Le terrain était rempli deux fois plus que pour le grand bishop. Les pasteurs qui étaient assis ont commencé à téléphoner leurs fidèles. Tu as ton truc qui est malade dans la maison, il faut l'emmener. Dieu en train de faire. L'autre qui était malade, on a prié depuis, ça ne va pas. Il faut l'emmener. Les pasteurs qui n'ont pas cru ont commencé à appeler les gens. Tu as emmené vos malades. L'enfant est en train de faire quelque chose. Maintenant, ça arrivait, l'atmosphère est tellement changée. Le gars ne faisait que chanter et pleurer. Le bishop, les pasteurs sur l'autel ont commencé à se jeter à travers les pieds de l'enfant pour dire, hé petit, donne-nous cette onction. Donne-nous cette onction. On ne peut pas quitter ici, toi l'enfant. On ne peut pas quitter. Écoutez-moi. À partir de la fin de cette croisade, l'enfant n'avait plus un jour pour s'asseoir. Les gens ont pris son sachet là. Son sachet dans la maison, son toiture. Pour aller le mettre dans la maison. Il avait un programme 24h sur 24. Invité dans tous les pays. Invité dans tout le. Même en Chine, aller prêcher. Aujourd'hui, c'est l'un des anciens. L'un des vieillards les plus forts au Nigeria. On l'appelle Docteur Omar Opaï. Va taper son nom, tu vas comprendre. Violent. Les gens que tu vois dans la gloire, ils ont une histoire. Et leur histoire est parfois pire que la tienne. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des sommités que le monde acclame. Mon ennemi, ne te réjouis pas trop vite à mon sujet. Car même si je suis tombé, je me relèverai. Même si je suis tombé, je me relèverai. Même si je suis tombé, je me relèverai. Et l'Éternel sera ma lumière. Évangéliste Omar Opaï. Ça c'est qui? UMA. UKPAI. Terrible et violent. On va se dire d'où c'est parti. Et cela me permet d'arriver à ce point fatidique qui me permet de donner un principe majeur pour le succès en Dieu. Ça s'appelle l'onction de sa présence. Ça s'appelle l'onction de sa présence. Ça s'appelle l'onction de sa présence. Je vais répéter ça, ça s'appelle l'onction de sa présence. C'est-à-dire l'onction qui est générée uniquement dans le contexte de sa présence. Mon ami, tu peux prophétiser, tu n'es pas dans l'onction de la présence. Parce que tu peux prophétiser, ta vie n'est pas une prophétie.
Tu peux bénir, ta vie n'est pas bénie. Tu peux être loin, chasser les démons, ta vie n'est pas en train de décoller. Parce qu'il y a le don pour le ministère. Il y a l'onction pour être utile pour les gens. Mais ce qui phagocyte, glorifie ta vie, ça s'appelle l'onction de la présence. Tu peux avoir l'onction de la guérison, mais tu n'as pas l'onction de sa présence. L'onction de sa présence. Genèse chapitre 39, le verset 2 à 4. Oui, il est écrit. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagne. La prospérité n'était pas la conséquence de ses stratégies d'affaires, de ses business, la stratégie de contact, de connaissance, de ses jeûnes et de ses prières. Mais la prospérité était la conséquence de quoi? La présence de Dieu. Oh, ça s'appelle l'onction de sa présence. Tami, s'il te plaît. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit. Ma question, l'Éternel n'est pas visible. Dieu est esprit. Comment un homme voit que Dieu est avec toi? On ne voit pas Dieu. Mais la Bible de Potiphar regarde Joseph. Joseph est là, lui il regarde Joseph. Il voit Dieu à Joseph. Mais on ne voit pas Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut voir Dieu avec un homme? S'il n'y a pas aujourd'hui, tu n'as pas de résultat, tu peux blâmer ta vie. Parce que je vais te montrer le chemin. Si après aujourd'hui ta vie ne monte pas, tu peux blâmer ta vie. Parce que je vais te montrer le chemin. C'est le chemin sur lequel nous marchons. C'est le chemin sur lequel nos anciens, nos pères, nos aînés marchent. C'est le chemin sur lequel les héros de la foi, les champions de l'évangile ont marché. C'est le chemin sur lequel les hommes montent et peuvent catapulter les destinées vers le standard et le niveau le plus élevé. C'est dans ce niveau que les gens peuvent déterminer la date de leur mariage alors qu'ils sont encore célibataires. C'est à ce niveau que les gens peuvent commander d'un montant d'argent faramineux et le cosmos tout le moyen de le faire transiter jusqu'à la destination. Il vit que l'Éternel est avec lui. On ne voit pas Dieu. Comment est-ce que Potiphar pouvait voir que Dieu après aujourd'hui, ouvre tes oreilles et écoute-moi. Ta famille verra que Dieu est avec toi. Ta maison verra. Tu n'auras pas besoin de leur expliquer Dieu. Tu n'auras pas besoin de discuter Dieu. Ils te regarderont. Ils verront que Dieu est avec toi. Ils verront. Termine ce texte s'il te plaît très rapidement. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit. Ton village verra que l'Éternel est avec toi. Même les sorciers vont venir te confesser qu'ils sont venus après toi. Mais ils ont vu que l'Éternel est avec toi. Les adversaires de ta vie, ils viendront pour confesser. On a vu que l'Éternel est avec toi. Ils verront que l'Éternel est avec toi. Ma fille, ils verront. T'as mis le texte s'il te plaît. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce. Il faut comprendre que Potiphar était un païen. Mais il témoignait que l'Éternel faisait prospérer. Ce n'était pas les techniques marketing. Ce n'était pas les stratégies d'affaires. C'est l'Éternel qui faisait prospérer. C'est l'Éternel qui faisait réussir. Tout ce que lui devait faire, c'est que ça passe dans sa main. Tout ce qu'il devait faire, c'était de créer l'entreprise. Tout ce qu'il devait faire, c'était de commencer le commerce. Tout ce qu'il devait faire, c'était de commencer la cellule. Tout ce qu'il devait faire, c'était de commencer à évangéliser. Quelque chose devait pas être pris en main. Il devait prendre quelque chose en main. Quand il prenait en main, l'Éternel prenait la responsabilité de le faire prospérer. Et même les païens pouvaient témoigner que Dieu faisait prospérer. Est-ce qu'on a fini? Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Il faut préciser qu'on entend parler d'un esclave. C'est une abomination qu'un esclave arrive et puis contrôle ta maison. Mais voici le genre de choses qui est à la portée de ceux
qui ont découvert le principe excellent du succès en Dieu. Appelez l'onction de sa présence. Appelez l'onction de sa présence. Écoute-moi, je ne suis pas en train de parler de chercher l'onction pour le miracle. Non. L'onction de sa présence, quand elle arrive, elle génère le miracle. L'onction de sa présence, quand elle arrive, elle génère le prophétique. Je n'ai pas parlé des hommes qui passent à soi, qui disent je veux voir, je veux entendre, je veux prêcher, je veux guérir, je veux l'argent. Ces requêtes sont légitimes et sont sérieuses. Mais je parle des gens qui atteignent un niveau de succès. Ces gens ne sont parfois pas à te produire un résultat ponctuel. Et tu dois continuer à prier pour maintenir ce résultat. Mais je te parle de cette onction. Elle s'appelle l'onction de sa présence. L'onction de sa présence est au-delà de l'onction du ministère. L'onction de sa présence est au-delà de l'onction pour aider les gens. Est-ce en Éden, Adam prospérait parce qu'il était connecté à l'onction de sa présence. La Bible dit chaque soir, les présents de Dieu remplissaient le jardin. Et Dieu venait pour convaincre que il ne venait pas pour un miracle, il ne venait pas pour une guérison, il ne venait pas pour une prophétie, il ne venait pas pour exercer le ministère, il venait pour la présence, pour donner. Écoutez-moi, le plus grand don que Dieu donne à un homme, c'est le don de sa présence. Tu n'as pas encore compris. Le plus grand don que Dieu donne à un homme, c'est le don de sa présence. Dieu peut te donner le don de la prophétie. Sans sa présence, on acclamera ta prophétie et ta vie restera dans la poubelle de la destinée. Mais lorsque Dieu te donne sa présence, le monde est obligé de faire de la place pour toi. Lorsque Dieu te donne sa présence, le monde des affaires, le monde de la finance, le monde du sport, le monde de la distraction, le monde spirituel, tous les systèmes de domination sont obligés de te faire de la place. Pourquoi? Parce que la Bible dit pas élevez vos linteaux, vos linteaux que le roi de gloire fasse son entrée. Mais le fait est que c'est toi qui rentres dans la porte. La porte ne s'élève pas pour toi, elle s'élève pour le roi de gloire. Mais comme le roi de gloire est en toi, c'est toi qui rentres dans la porte. Les gens jetaient les pailles. Ils ne jetaient pas pour l'anneau. Ils jetaient pour Jésus. Mais c'est l'anneau qui marchait. Les gens criaient. Ils lançaient les fleurs. Ils lançaient les rameaux. Écoute-moi. Jésus était un homme. Il avait une alimentation d'un homme. Mais l'âne mange les rameaux. L'âne mange les fleurs. Les gens lançaient les rameaux. Ils lançaient les fleurs pour Jésus. Mais c'est l'âne qui mangeait. C'est l'âne qui était nourri. L'âme était dans l'abondance. Parce que Jésus était là. Il était en train d'opérer dans quelle onction? Dans l'onction de sa présence. C'est l'onction de la présence qui fait que même un homme de Dieu produit des résultats qu'il n'a pas prié pour avoir. Pierre n'a jamais prié que son homme guérisse les malades. Il passait. Il a juste découvert que les gens sont en train de crier. Il dit pourquoi vous criez? Il dit que quand tu es passé, ton homme nous a touchés. C'est pourquoi tu vois, parce que ça n'a pas reproduit deux fois dans la Bible. Il n'y a pas eu deux fois où Pierre a dit culte spécial de la guérison par l'ombre. Tous les gens qui sont malades arrivent parce que ce n'était pas calculé. Le monsieur lui-même était étonné de voir son homme guérir les malades. Quand l'onction de la présence arrive, tu arrives quelque part, les choses arrivent. Et toi-même, tu es spectateur, tu es étonné de ce qui est en train de se passer. Regarde, tu peux aller dans un programme, prier pour demander à Dieu de faire ci, de faire ça. Dieu peut exaucer ta prière. Mais quand tu prends le temps pour rechercher sa présence, il te donne l'onction de sa présence. Et lorsque tu parles, ce que tu n'as pas imaginé, tu commences à faire. Tu commences à opérer en qualité et en position de Dieu dans des choses que tu n'aurais pas pensé ni demandé. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'agir dans ta vie dans la dimension de l'onction de sa présence. C'est à ce niveau excellent que les hommes ont réalisé des choses impressionnantes. C'est à ce niveau, quand Pierre, quand David a lancé la pierre, il n'était pas en mesure de mesurer, de viser avec exactitude le fond de Goliath. La pierre était partie. C'était la responsabilité de l'onction de sa présence de téléguider la pierre pour l'emmener à l'exact endroit où elle serait nécessaire pour produire le plus de résultats et le plus d'impact. Les gens montent pour l'onction de sa présence. Parce que tu vois des pasteurs oint, mais leur vie ne mèche pas. Leur église ne mèche pas. Parce que tu vois des chrétiens qui aiment Dieu, qui sont des intercesseurs, qui sont passionnés de Dieu, mais qui sont dans l'approximatif en ce qui concerne les résultats. Parce que les gens n'ont pas compris. Le plus haut niveau du don de Dieu dans la vie d'un homme, c'est le don de sa présence. Quand Dieu veut t'emmener au sommet, il te donne sa présence. Moïse l'avait compris alors qu'il partait d'Égypte vers Israël. Il a dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il faut que tu viennes. Dieu dit, je t'envoie. Je te fais le don de la présence de mon ange. Il dit, l'ange est bon. Je ne veux pas ton ange. Je veux ta présence. Dieu dit, je vais venir. Le don de la présence dans la vie de Moïse a relâché ce qu'on appelle l'onction de la présence. Moïse était devenu un homme mystérieux. Quand tu opères la dimension de l'onction de la présence, tu penses à quelque chose et Dieu fait que la chose commence à penser à toi. Est-ce que l'argent peut penser à un homme? L'argent peut penser à un homme. Parce que l'argent, c'est maman. L'argent, c'est une entité spirituelle. Elle peut commencer à penser à toi.
et puis commencer à fragmenter les barrières de la vie pour te retrouver peut-être de Dubaï jusqu'à Ouagadougou, peut-être de New York jusqu'à ton petit village. Il peut commencer à transiter, à briser tous les protocoles pour arriver jusqu'à toi. Par quel système? Le système qu'on appelle l'onction de la présence. Tu arrives dimanche matin à saturer de l'onction de la présence. Les gens vont commencer à pleurer. Tu n'as pas commencé à prêcher. Béni une patine croisade. Et il était dans l'embouteillage. Et les chants chantaient pour qu'il arrive. La route était coincée. Il luttait, les gens cherchaient même à voir. Est-ce qu'on peut envoyer la police ou la moto pour des restes compliqués? Il était sérieusement en retard et l'heure était très avancée. Les chants chantaient. Et il a dit, Seigneur, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que je ne sais pas comment je vais arriver. Quand il a fait ça, 2 minutes après, les gens commençaient à l'appeler. Pour dire, si tu veux, tu peux partir à la maison. Il dit pourquoi? Il dit parce que tous les partis regardent comme ça s'élever ici. Personne n'est en train de prier pour eux. Pendant qu'ils sont en train de chanter, les gens sont en train de crier, les aveugles sont en train de s'élever, les gens sont en train de jeter la pique. Il n'est pas arrivé là-bas. L'onction de la présence va pour agir au-delà de la programmation et de l'attente de l'homme. C'est ce qui arrive quand l'onction de sa présence arrive sur ton commerce. La connerie que tu vends, les gens vont commencer à chercher. Eux-mêmes, ils mangent, puis c'est demain, mais ils mangent même quoi comme ça? Le monsieur, mais il est en train de manger quoi? Mais il ne peut pas s'empêcher de prier. Pourquoi? Parce qu'il y a une caractéristique spécifique dans ce qu'on appelle l'onction de sa présence. C'est ce qu'on appelle la force de contrition. Quand elle arrive, elle contraint les gens à être favorables à toi. Elle impose la contrée, elle contraint, elle l'oblige. Tu comprends? Il y a un serpent qu'on appelle le boa constricteur. Il n'a pas de venin. Quand il t'attrape, il va te serrer. C'est ça qui va te tuer. C'est ça qui va briser tes os. L'onction de sa présence a le même système. C'est l'onction de la présence qui allait réveiller le roi en faveur de Mardoché. On lui a amené les concubines. Il dit non, non, non. On lui a amené la nourriture. Il dit non, non, non. On lui a amené les conseils. Il dit non, non, non. Il dit qu'est-ce qu'il te faut? Il y a un homme qui m'a sauvé. Il y a plusieurs années. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? L'onction enlevait sa paix. Cette onction le contraignait comme un bois en train de serrer quelqu'un. Quelque chose devait sortir de lui pour honorer Mardoché. Pendant que cette onction était en train de le contraindre, la même onction a contraint le gars qu'on appelle Amal de quitter sa maison parce que cet épisode était arrivé la nuit. C'était pas la journée, c'était dans la nuit. À cette heure, il n'était pas censé être dans le palais, mais il n'a pas pu s'empêcher de quitter chez lui à une heure indue pour venir chez le roi. Et pendant que le roi réfléchissait, on dit, roi, Amal est là. Il dit, mais ça tombe bien, viens ici. Qu'est-ce que je peux faire? Un homme que j'ai décidé d'honorer. Le système qui se produisait, ce n'était pas la reconnaissance du roi. Le roi n'avait jamais été reconnaissant avec Mardoché. Ce qui était en train de se passer, c'était la force de contrition de l'onction de sa présence. L'onction de sa présence, elle arrive pour les gens qui commencent à développer une addiction pour sa présence. Tu cherches sa présence, lui te donne l'onction de sa présence. Tu cherches sa communion, il te donne l'onction de sa présence. Adam n'a pas perdu un jardin. Adam a perdu le don de la présence de Dieu. Il n'a pas perdu un jardin. Il a perdu le don, que la présence de Dieu. Oh Seigneur, je suis revenu là. Restaure ma vie de prière qui est partie. Restaure ma passion de Dieu qui est partie. C'est vrai que je veux l'argent, mais en courant pour l'argent, j'ai oublié ta présence. C'est vrai que je veux faire les affaires, en courant pour les affaires, même les affaires là, je fais c'est pour toi. Je veux même l'argent pour financer, mais mon désir d'aider ton œuvre afin que j'ai oublié le propriétaire de l'œuvre que je veux aider. Papa, je reviens. Je veux le succès. Je veux le résultat. Mais celui qui donne. Regarde, si tu cours après le résultat, tu n'as pas l'avoir. Tu cours après le Dieu qui génère le résultat. Les résultats vont courir après toi. Je suis en train de parler au pasteur. Je suis de parler à tout homme qui languit et qui soupire dans son âme de générer le résultat. Sinon, tu vas souffrir. Regarde comment tu fais des jeûnes, tu fais des prières. Regarde les résultats. Montre-moi les résultats. Tu te fatigues, il y a beaucoup de choses que tu entreprends. Montre-moi le résultat. Le résultat n'est pas d'abord dans le jeûne et la prière. Tant que le jeûne et la prière ne sont pas un moyen utilisé pour manifester notre addiction à sa présence. Tu prêches partout que tu n'as plus le temps pour le Dieu que tu prêches. Tu sais à l'église que dans tous les départements, tu es partout, que tu n'as plus le temps pour le Dieu pour qui tu travailles dans le département. Le succès est la conséquence de l'onction et sa présence. L'onction et sa présence est la communion et le résultat de la communion et sa présence. Je parle d'hommes, je parle de femmes qui s'assoient pour dire, papa, me voici, je suis encore venu. Ton petit garçon est là. Je ne suis pas là pour la popularité. Je ne suis pas là pour la célébrité. Je ne suis pas là pour l'onction. Je ne suis pas là pour la gloire. Je suis venu pour toi. Prends-moi.
Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi. Ma foi. Je parle de ceux qui arrivent pour dire give me you. Everything else can wait. Alagabosha. Give me you. I hope I'm not too late. Lord, give me you. Sing the sky at above. Lord, give me you. Lord, give me you. Sing the least cupranda da shaba. Lord, give me you. Say, give me you. Give me you. Everything else. Everything else can wait. Give me you. I'm not too late. Tu ne peux pas prendre Dieu comme un tremplin et l'abandonner ou perdre ton standard quand le minimum de tes espérances t'a assouvi. Tu as servi Dieu de tout ton âme jusqu'à avoir un mari. Quand tu as eu un mari, tu as arrêté de servir Dieu. Tu as pleuré, travaillé dans l'église comme un fou, une folle pour avoir un travail. Quand tu as eu un petit travail, tu as commencé à abandonner Dieu. Les gens ne comprennent pas. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas un travail, c'est sa présence. La Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Le don le plus excellent du ciel, c'est la présence du Dieu créateur, du Dieu qui a matérialisé chaque chose. Quand il s'offre à toi, quel agent se refusera à toi? Je te donne cette clé pour le succès. Lorsque l'onction de sa présence va avec toi au marché, le marché va prospérer. Lorsque l'onction de sa présence est en train de travailler avec toi sur un projet, les idées vont venir, les concepts vont venir, les entreprises vont venir, les nouvelles chansons vont venir. Et quand tu sors, le monde va te célébrer. Mais tu n'étais pas allé dans sa présence pour chercher à célébrer par le monde. Tu allais dans sa présence pour aller le célébrer, pour aller l'aimer et t'offrir à lui. Mais lorsque sa présence t'a saturé, c'est pourquoi j'ai dit, si tu vois Dieu, le monde te verra nécessairement. Écoute-moi, le monsieur dont on a lu l'histoire, sa prospérité, son succès était la fonction de l'onction de la présence. Sa présence comporte une onction. Écoute-moi, sa présence comporte une onction. Cette onction ne se trouve nulle part ailleurs. Voici pourquoi Satan est déchu et il souffre. Parce que Satan a toujours une onction. Satan a toujours l'onction, même ça. Ça avait l'onction qu'il a reçue de qui l'opère. Il y a une seule chose que la. Vous savez, Dieu ne se remet pas de ses dons et de ses appels. Satan n'a pas perdu son action. Il n'a pas perdu son appel. L'ange de lumière qu'il est continue toujours d'opérer. Voici pourquoi il peut faire des gens des stars. Et si lui-même peut être ça, mais une seule chose, une seule onction que Satan ne peut plus avoir. Et ça lui fait mal. Et il déteste ceux qui peuvent l'avoir. Il fait tout pour les empêcher d'avoir. C'est l'onction de sa présence. Parce que le seul moyen d'avoir cette onction, c'est dans sa présence. En lui, il a coupé éternellement la présence. Il ne peut plus retenir la présence. Alors il soupire cette onction. Il soupire ça, mais il ne peut pas avoir. Alors qu'il regarde un frère qui veut entrer dans la présence, il emmène une tentation. Qu'il regarde un jeune homme qui veut entrer dans sa présence, il emmène un découragement. Qu'il voit une soeur qui veut entrer dans sa présence, il emmène quelque chose pour la distraire, parce qu'il ne veut pas, il ne veut pas. Tu n'as pas besoin de chasser le sorcier lorsque l'onction de sa présence arrive dans ta vie. Tu n'as pas besoin de chasser le démon lorsque l'onction de sa présence est à l'œuvre dans ta vie. Tu peux être loin pour le prophétique et la nuit tous les démons sont en train de se révéler à toi parce que tu es un prophète, parce que tu es un voyant. Tu vas voir les sorciers, tu vas voir tous les esprits méchants. Mais lorsque tu es en la dimension de l'onction de sa présence, il refuse d'apparaître en ta présence. Quand tu passes, un démon est dans le couloir où tu passes. Il sort avant que tu n'arrives à ce niveau. Il sort seul. Tu n'as pas encore parlé. Jésus est arrivé à Gadara. Un démon est quitté dans la forêt. Il est quitté dans la brousse. Il est quitté la midi. Il était dans les cimetières et dans les tombes et dans les grottes. Il est quitté là-bas, venu au bord pour dire, moi-même, je suis venu te dire qu'il veut partir dans les cochons. Jésus dit, ok, comme ça vient de toi-même, il faut aller. Parce qu'il est venu à ce qu'on appelle l'onction de sa présence. Il refuse d'être en contact avec toi. Il y a des gens qui n'ont pas voulu te saluer. Il y a des gens qui n'ont pas voulu rester. Quand tu vois, ils ont pressé changer de route. Tu vas arriver, il y a quel problème? Parce qu'il ne peut pas supporter l'onction de sa présence.
Voici pourquoi beaucoup d'entre nous, nous luttons. On a toutes les techniques. Aujourd'hui sur internet, tu as tous les coachs, tous les professionnels de développement personnel. Tu te dis, oh, si, ça, ça, ça. Mon ami, l'Afrique est reconnue comme le continent avec le plus grand taux de possession de smartphones. Yeah. Les Africains ont plus de smartphones que les Français. Les Africains, le marché des smartphones en Afrique est supérieur au marché des smartphones partout dans le monde. Il y a... Parce que nous, on a deux portables. Moi, il y a deux portables. Certains m'ont mis trois portables. Je ne sais pas ce que vous faites avec. Mais l'Africain, lui, il veut l'exagération. Souvent, le gars, il n'a pas payé de ça. Mais il a au moins l'iPhone ici. Il a au moins le Samsung ici. Il a l'autre là. Et puis quand il marche, on dit le boss. On dit le boss. À Paris, le gars, il a un seul numéro. C'est difficile d'avoir deux numéros là-bas parce que tu as beaucoup de suivi et tu autoriseras les gens un seul numéro d'un seul portable. Les gens ont plus accès au multimédia et au smartphone en Afrique. Ce qui veut dire, mon ami, si développement personnel qu'on prêchait sur YouTube, ça pouvait changer l'Afrique. On devait être loin. Parce qu'on a plus accès à ça que même les gens qui fabriquent. Il y a un secret. L'onction est sa présence. Tu es fatigué, tu es en train de courir. Tu es en train de courir ici, tu es en train de courir là. Et Dieu me dit, enseigne aux gens dans le mystère de l'archéologie spirituelle. Fouille. Et cette soirée, j'étais en train de fouiller. J'ai pris ma pioche d'archéologue. J'ai pris mes bosses. J'ai pris mes tenailles. J'ai pris mes pelles. J'ai commencé à creuser. J'ai ouvert ma Bible. J'ai commencé à creuser. J'ai ouvert mon esprit. J'ai commencé à creuser. Et alors que je creuse, Dieu me dit, cherche les principes. Cherche les principes. Mais il dit, pour comprendre les principes, cherche les hommes qui ont eu le succès. Tu prends les hommes, tu vois leur succès. Tu vois leurs résultats et tu cherches ce qui les lie entre eux et leurs résultats. Ça s'appelle les principes. N'importe qui suit les principes réussit où qu'il se trouve. Alors j'ai commencé à piocher, j'ai commencé à creuser. À mesure que je creusais, maman, ma pioche a cogné sur quelque chose. Alors j'ai arrêté, j'ai commencé à essuyer, j'ai commencé à essuyer, j'ai commencé à essuyer. À un moment donné, j'ai vu l'onction de sa présence. Il m'a dit, prends ça. La foule va venir à l'église sans évangélisation. Il m'a dit, prends ça. Le monde va t'admirer sans publicité. Il m'a dit, prends ça. L'argent va te chercher sans investissement. Il m'a dit, prends ça. Ça s'appelle l'onction de sa présence. Mon ami, j'ai déterré ça. Je suis venu te donner. Ta vie ne peut plus jamais rester la même. Papa, mon mari me fatigue. L'onction de sa présence. Papa, les affaires ne bougent pas. Les revenus ne sont pas. L'onction de sa présence. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oué. Le succès de Jésus était caché dans l'onction de la présence. Le succès de Pierre était caché dans l'onction de sa présence. Pierre était un illettré, un gars qui était pas allé à l'école, un gars qui était défavorisé socialement, un rebelle de la société, l'onction de la présence. David était là-bas, de rien du tout, l'onction de la présence. Et tous les gens qui sont venus avec lui sont devenus des super-héros à cause de la dimension de l'onction de la présence qui était sur un homme appelé David. Les gens sont montés à cause de l'onction de la présence. Je suis venu dire, hier j'étais par la grâce, aujourd'hui je te parlerai, c'est-à-dire que je parlais de l'onction, mais maintenant je ne suis pas venu te parler de n'importe quelle onction. Je suis pas venu te parler de l'onction qui brise le joug, parce que le joug peut être brisé sur quelqu'un, mais lui-même, le gars, n'est pas brisé. Ça veut dire qu'on a enlevé le joug sur sa vie, mais le joug n'est plus son cou, le joug maintenant dans son cœur, il n'est pas libéré. Alors il peut être délivré, roulé, mais sa vie ne pèse pas. Je suis pas venu te parler de l'onction de miracle. Il va venir te parler. Je vais te dire que tout ça sont les corollaires de lorsque l'homme qui a réussi à saisir l'onction de sa présence. Mais comment est-ce que tu l'as saisi? Comment est-ce que tu l'as saisi? Laisse-moi te dire le mot. Le mot clé, c'est la soif. Le problème, ce n'est pas que l'onction est inaccessible. Le problème, c'est que ta soif a disparu. Regarde, tu as soif de l'argent. Tu as soif de succès. Regarde, tu as soif de la gloire. Regarde, tu as soif de la visibilité. Regarde, tu as soif de l'impact. Regarde, tu as soif d'aller ici et là. Mais regarde, la soif de lui, la soif de sa présence est devenue inaccessible. Est devenue réduite en toi. Elle a disparu. Regarde la soif qui était dans ton cœur. Regarde la soif qui était dans ton cœur. Elle est morte. C'est vrai, je parle de succès. Tu vas connaître le succès. C'est vrai, tu veux la position. Tu veux la nomination. Tu veux le mariage. Tu veux la grosse voiture. Tu veux les costumes blancs. Tu veux le bague en or. Tu veux la voiture de luxe. Tu veux la célébrité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un péché. Mais écoute-moi. Si vous cherchez Dieu, les choses vous chercheront. Si vous cherchez les choses, vous vous éloignez de Dieu. Alors même les choses que vous avez cherchées, même si dans l'option vous l'avez trouvée, elle devenait un objet de douleur et de souffrance pour vous. Pasteur, la soif pour sa présence. Et la foule va être générée dans l'église que tu ne pourras pas gérer.
tu ne n'es pas obligé de t'asseoir pour courir après les gens de faire ci, faire ça. Quand elle est arrivée, quand tu l'as saisie, le problème des gens se règle si facilement que les gens ne peuvent pas se permettre de rater un seul de tes services. Ils ne peuvent pas se permettre. Et eux, ils vont s'appeler ces téléguidés. Les gens vont voyager, prendre l'avion pour arriver. À cause d'une seule chose, l'onction de sa présence. Marie, va dans ta maison. Trouve un petit coin. Trouve un petit lieu secret dans ta maison. Fais descendre sa présence. Quand sa présence arrive, ceux qui sont autour, ça s'appelle l'onction de sa présence. Comment ta famille sera bénie? Tu ne peux pas l'expliquer. Comment tes enfants seront brillants? Tu ne peux pas l'expliquer. Comment la provision sera de tous côtés? Tu ne peux pas l'expliquer. Comment la bénédiction va prendre ta maison pour cible et ça bat d'une manière glorieuse sur toi? Tu ne peux pas l'expliquer. La soif de la présence est partie. Tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas un mari. Plutôt que de pleurer, pour lui donner moi cette présence. Cette présence qui a changé la vie de David. Cette présence qui a changé la vie de Joseph. Donne-moi cette présence. Si Dieu te donne l'onction de la présence, tu auras l'embarras du choix de Marie. Alabara, you are the mighty God. La kikuza branda, eni la tsopitu. You are the glorious God. Où est partie ta soif? Tu as soif de tout, tu cours pour la nourriture. Tu cours pour le péché, tu cours pour les causeries, tu cours pour les résultats et tu t'épuises. Et gars, je ne suis pas venu te dire aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de passer des résultats ce soir. Mais je ne suis pas en train de chercher des résultats. J'ai dit, te montre comment ce que tu dois faire, que les résultats vont venir. Je te montre ce que tu dois faire. Il y a certaines bénédictions qui sont arrivées dans ma vie, qui ne sais pas par quel moyen ça pouvait arriver, qui ne sais pas à qui je vais demander, quel message je vais prêcher, pour que quelqu'un vienne me faire ce genre de choses. Mais lorsque j'ai saisi sa présence, j'étais choqué de m'asseoir, rien de voir des présents énormes. J'ai commencé à comprendre pourquoi Salomon pourrait être aussi riche. Les genres de choses qui sont possibles pour t'arriver vont te choquer. Tu es en train de courir, il n'y a pas travail, que de courir les affaires ne marchent pas. Je te promets, lorsque tu as saisi l'onction de sa présence, le type de travail, des gens qui ne sont pas ta maman, qui ne sont pas ton papa, qui ne n'ont pas aucun lien de parenté, vont te prendre et faire pour toi ce qu'ils n'ont jamais fait pour leurs parents, ce qu'ils n'ont jamais fait pour leurs propres enfants qu'ils ont accouchés. Pourquoi? Parce que l'onction de sa présence, elle est terrible. Si tu désires le résultat, alors tu dois désirer sa présence. Parce que c'est sa présence. Ma Bible dit parce que l'Éternel était avec lui. Et le païen a dit il voyait que l'Éternel était avec lui. L'onction de sa présence. Mais où est passée ta soif? Où est passée? Jeune homme, tu vas réussir. Tu vas réussir. Mais où est passée ta soif? Où est passée ta soif? Pasteur, tu vas avoir un grand ministère. Tu vas faire des grandes choses. Mais où est ta soif de Dieu? Où est ta soif de Dieu? Où est ton désir de le saisir? Où est ton désir? Je te montre le succès divin, le principe divin pour le succès. Je ne suis pas en train de montrer les principes mathématiques. Je ne suis pas venu te prêcher ce que n'importe quel coach peut prêcher. Pour parler, donc, il faut savoir faire la gestion du temps. Il faut être inventif, il faut croire en soi. Mon ami, il y a des gens qui sont assis au village là-bas. Ils croient en eux depuis qu'ils sont nés. Ils ne sont jamais allés quelque part. Toutes les ambitions ne les ont pas menées plus loin que peut-être un petit demi-hectare de maïs qu'ils cultivent et puis la vie s'arrête là. Il faut comprendre que dans tout succès, dans toute gloire, il y a ce qu'on appelle le facteur Dieu. Je pense avoir prêché ça un de ces jours ici. C'est ce qu'on appelle le facteur Dieu. Et comment le facteur Dieu intervient pour un homme dans la vie de qui aucun système d'intervention ne peut sortir? Par la soif de le chercher. La soif de le chercher. Quand tu es en train de chercher de manière intentionnelle sa présence, tu es en train d'activer ce qu'on appelle l'onction de sa présence. Peut-être j'aurai le temps de développer le contenu de l'onction de sa présence en prenant les hommes, par quatre navires, pour montrer comment des gens sont devenus extrêmement forts, extrêmement puissants dans la vie. Comment est-ce que ma Bible parle de Azaria, que la Bible dit qu'il fut merveilleusement soutenu par la main de l'Éternel. Il a bâti des cités, il a réalisé des ouvrages de guerre, il a fait des choses si puissantes. Et subitement, lorsqu'il se détourna de l'Éternel, il a commencé à tomber. Parce que ce qui garantissait son ascension, c'était l'onction de la présence qui se trouvait dans la présence après laquelle il courait. Lorsqu'il s'est relâché de la présence, le niveau de l'onction de la présence qui était à tari, et lorsqu'elle a finalement fini par disparaître, l'homme a commencé à tomber. L'onction de sa présence. L'onction de sa présence peut même venir sur un objet inanimé et faire de lui un producteur de miracles. Ma Bible déclare que le mouchoir qui touchait pas. Le mouchoir qui touchait Paul. Paul est resté ici. On a pris son mouchoir, on est parti avec lui.
à 10 km. On a mis le malade. Le malade s'est levé. Quel mouchoir, quel pouvoir un mouchoir a pour guérir un malade? C'est un objet inanimé. Il n'y a rien qui défile qu'on a brodé, qu'on a tissé. Mais sur le mouchoir, l'onction de sa présence est déposée. Un simple mouchoir fait des miracles. Et toi, un homme, imagine ce que tu peux produire si l'onction de sa présence vient sur toi. Mon fils, le piano que tu es en train de jouer comme ça, quand l'onction de la présence va venir, tu seras juste en train de déposer pour plaquer un accord, comme tu plaques d'habitude. Mais le son qui sort, un démon sort. Chaque fois que tu touches une note, il y a un démon qui sort. Les démons, mais il y a quoi qui se passe? Quand tu retires ta main du piano, il n'y a plus de démons qui partent. Quand tu portes, les démons sont en train de sortir. Ce que l'onction est capable de réaliser.